Alors, je suis Sergio Della Bernardina, j'enseigne l'anthropologie à l'Université de Brest. Ma recherche commence avec la préparation de ma thèse italienne. J'avais décidé de me concentrer sur la problématique de la chasse. Tout en sachant que c'était un sujet mineur, pour ainsi dire. Il n'y avait pas beaucoup de spécialistes en Italie travaillant sur cette problématique. Et à tel point qu'on m'a dit que peut-être c'était une erreur sur le plan professionnel de miser sur un sujet marginal comme celui-là. De toute façon, puisque les ethnologues travaillent aussi sur des problématiques marginales, c'était ce qu'il fallait faire à mon sens. De toute façon, je ne regrette pas ce choix, même si c'est quelque chose que j'ai après gardé dans mon parcours tout au long de mon existence. Donc, il faut faire toujours attention à ce que l'on choisit, parce qu'après, voilà, on est un peu destiné à faire avec. Et donc, alors, pour ce qui concerne mon approche à la chasse, voilà, c'était dans le cadre de la tradition un peu italienne, donc c'était plutôt dans un contexte d'histoire sociale de la chasse. Et je cherchais donc à reconstituer un peu l'imaginaire cynégétique du 19e siècle. J'avais eu la chance de tomber sur un corpus relativement restreint de récits de poètes qui parlaient de la chasse dans une région des Alpes de Vénétie. Donc c'était un corpus homogène. C'était des poètes particulièrement médiocres, pour ne pas dire nuls, mais c'était bien, enfin, c'était des dilettantes, tout simplement. C'était bien du point de vue, justement, de l'homogénéité du corpus, parce qu'il y avait énormément de stéréotypes. Et donc, dans ce texte, on voyait tout simplement ce qu'il fallait dire de la chasse à cette époque-là, la manière dans laquelle il fallait se représenter les différentes séquences. Donc, je fais une analyse de contenu, et je me suis rendu compte que, voilà, il disait à peu près la même chose, ce qui est d'ailleurs normal, dans le sens que la chasse prévoit des séquences extrêmement restreintes, toujours les mêmes. Donc, voilà, ça aide beaucoup à structurer aussi un récit. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une nécessité narrative, dans le sens que ces chasseurs-là avaient besoin de construire un peu l'animal avant de le mettre à mort. Donc ça marchait. J'ai repéré deux rhétoriques différentes. Une rhétorique qui était plutôt celle de la construction de l'animal en tant que rival, noble rival. Donc ça s'inscrivait plutôt dans la tradition du roman chevaleresque, si l'on veut. Hein. De l'autre côté, l'animal pouvait être en revanche représenté comme un objet du désir. Et donc, il y avait, dans les deux cas, il y avait une étape qui était celle de la personnification de l'animal. L'auteur du texte, c'est-à-dire le chasseur, décrit cet objet ou bien comme un noble antagoniste qu'il faut éliminer dans un duel honorable, ou bien comme une jolie femme qu'il faut arriver à séduire. Et donc, c'est drôle de voir comment on produit de plus en plus, dans cette première étape, une forme d'anthropomorphisation de la proie, qui devient un être humain à part entière. Et donc, il y a ce rapprochement ontologique, voilà, des êtres. Le chasseur devient un très proche de cet animal, objet de désir et de séduction. Mais après, il faut le tuer. Et donc, comment est-ce qu'on peut justifier la mort de l'animal qu'on vient d'humaniser ? Eh bien, c'est en cherchant à montrer dans l'évolution de la narration des indices qui permettent de montrer que l'animal a commis une faute, a des responsabilités, a des défauts, a quelque chose qui permet de le rejeter du côté, disons, de la choséité, de l'animalité. On peut le tuer parce que, alors il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il peut avoir fait ce pauvre animal pour qu'on le mette à mort? Alors si c'était une femme, une femelle, disons une femme, c'est qu'elle a trahi les chiens, elle s'est dérobée, elle leur a fait penser, elle leur a fait croire qu'elle était d'accord
pour cet échange sentimental, pour ainsi dire, alors qu'elle s'échappe. Donc, on voit que petit à petit, il y a toute une série de termes qui la repousse du côté de la traîtresse. Donc, on peut la tuer pour cette raison-là. Séductrice, voilà, des termes de ce genre. Et des termes de ce genre. Parfois, en revanche, voilà, on joue sur la dimension plutôt de la, comment dire, justement de la confrontation avec un rival redoutable, et donc tout animal devient dangereux, que ce soit le chamois, toute une série d'animaux qui, a priori, ne sont pas dangereux pour l'homme, on emphatise d'un certain point de vue leur dangerosité pour justifier la mort de l'animal. Mais alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a cette nécessité vraiment de construire, de repousser dans le récit l'animal du côté de la culpabilité, donc d'une altérité qui le rende tuable, qui le rende accessible. Alors, pourquoi est-ce que j'ai vu ça? Moi, je pense que c'est parce que, en réalité, j'ai été influencé par mes lectures. Donc, je pense que j'avais lu, enfin, je pense, j'en suis même sûr, j'avais lu René Girard, j'avais lu Walter Burkert, et ces auteurs-là, et ils m'avaient fait comprendre que dans le processus victimaire, pour ce qui concerne Girard, et aussi pour les dynamiques de comportements rituels des chasseurs face au drame, au problème de la mise à mort des animaux, il y avait la nécessité de construire quelque part la criminalité de l'autre, de le criminaliser, de le repousser vers la culpabilité. Et donc, peut-être, de façon instinctive comme ça, j'ai retrouvé tout simplement ce schéma. Mais alors, je ne pense pas avoir projeté de façon arbitraire ça. C'est que dans le rituel des chasseurs-cueilleurs dont parle Burkert, sur lequel on pourra peut-être revenir, parce que c'est aussi ce que je suis en train de développer dans un séminaire que j'ai actuellement et qui continue, autour justement de cette question de la mauvaise foi, du sentiment de culpabilité vis-à-vis de la proie. Alors là, j'ai perdu complètement le fil, mais voilà, je pense voilà, effectivement que même dans les sociétés, dans la société contemporaine, cette nécessité de trouver un prétexte, quelque part, qui permette de repousser l'animal, d'expliquer la mise à mort de l'animal, voire de lui demander pardon, quelque part, de se déculpabiliser, je pense que ceci est encore présent. Mais il ne prend pas la forme d'un rituel, même si, le rituel existe aussi. Il suffit de voir ce qu'on fait, par exemple, dans les pays de langue germanique, mais pas seulement par rapport à la dernière bouchée que l'on donne. Il y a toute une série de rituels post-mortem très importants, qui sont bien connus, qui sont caractéristiques de la tradition germanique, entre autres. Hein. Donc, voilà, le rite, là, on le voit, et il rappelle énormément, de très près, les rituels des chasseurs-cueilleurs, à tel point qu'on se demande... Moi, je ne me demande rien, parce que je ne pense pas qu'on puisse faire des rapprochements de type historique quelconque, mais je ne peux pas ne pas remarquer des ressemblances intéressantes. Alors, est-ce que c'est une invention récente par rapport à quelque chose, donc une imitation d'anciens rituels, ou est-ce que c'est quelque chose qui a eu sa continuité? Je laisse aux historiens la tâche ardue d'arriver à donner une réponse à cette question. Il n'empêche que ceci existe, est bien documenté. J'ai eu le sentiment que dans les comportements des sociétés latines, il y a moins de ritualisation, mais on pourrait se dire que peut-être cette ritualisation prend une forme différente. Parce que déjà les formes de chasse sont différentes, dans le sens que le chasseur nordique, et là je parle de la contemporanéité parce qu'on a tendance à généraliser trop, et même pour construire des oppositions qui sont peut-être un peu arbitraires, mais le chasseur nordique actuellement a une attitude qui rappelle beaucoup les principes, disons, d'une certaine morale écologiste. Donc on cherche de limiter au maximum l'impact de l'action humaine dans l'environnement. Le chasseur est presque invisible. Il arrive,
il sélectionne en cachette l'animal, il attend que, il fait en sorte, il décide justement l'animal qui doit être, qui peut être abattu, et il cherche à le tuer sans que l'animal sache. Et donc, en faisant un bruit, seulement le coup de fusil, parce qu'il doit aussi ne pas rater la cible, là, il y a toute une série de récits, il ne rate jamais la cible. Donc, ils sont vraiment formidables, ces chasseurs, parce qu'ils ne ratent jamais la cible. Donc, l'animal meurt foudroyé. Et donc, il y a cette idée d'une forme d'euthanasie, de belle mort de l'animal, et qui est suivie après par tous ces rituels de type païen, on aurait envie de dire, de déculpabilisation. Alors que j'ai posé ces mêmes questions à des chasseurs dans la chaîne alpine dans laquelle j'ai travaillé, je leur ai demandé, mais et vous, ces rituels, bon, ils ont réagi aussi bien au Piémont qu'en Vénétie, parce que c'est là que j'ai mené pas mal d'enquêtes, mais même en France par ailleurs. Hein. Et ils ont réagi en disant que, bon, de façon un peu réaliste, mais c'était, je pense, par rapport au fait qu'ils voulaient se confronter avec les Allemands, donc ça vaut ce témoignage. Mais ils répondaient, mais non, nous, déjà, on tue cet animal. Après toute cette mascarade du rituel, ça nous paraît aussi quelque chose de superflu. Mais en réalité, on pourrait imaginer, toujours en faisant référence à leur discours, qu'il y a une autre manière de ritualiser la chose qui prend des formes différentes. Et c'est qu'eux, ils ne chassent pas à la manière justement allemande, qui n'est pas la seule, mais de l'affût, mais ils chassent plutôt en battu, avec des chiens courants. Et donc l'idée, c'est de faire pénétrer dans la forêt ce lieu où les animaux se cachent, ces émissaires de la civilisation et de l'humanité, qui sont les chiens courants, qui sont des intermédiaires, et de faire disparaître toute cette opacité qui se cache dans la nature, mais en même temps aussi de prévenir les animaux qu'on est en pleine confrontation, comme dans une sorte, si vous voulez, pour utiliser une métaphore, comme dans la corrida, c'est-à-dire le discours, c'est « moi j'aime bien tirer sur un animal qui a su qu'on est en train de le chasser, donc ce n'est pas déloyal, il a des chances pour faire suivre la bonne stratégie et s'en sortir. » Il n'empêche que je ne suis pas assez ingénu pour croire que ce discours est plus écologique ou plus moral que l'autre. Ce sont deux stratégies discursives différentes, deux conceptions différentes de la légitimité ou de la tentative de créer une légitimité autour du fait de tuer un animal. Voilà. Donc, je reviens à mon discours sur le texte. J'ai eu le sentiment que, de toute façon, même lorsqu'il n'y a pas rituel, il y a dans la manière de parler de ces choses-là quelque chose d'extrêmement contraignant. Donc, je suis persuadé que le récit cinégétique ne répond pas dans sa banalité, et dans sa structure banale, n'est pas seulement le résultat de la médiocrité générale des narrateurs, mais répond à une nécessité intrinsèque de mise en ordre, de mise en forme de la chose qui doit être dite comme ça, parce que c'est comme ça qu'on retrouve traditionnellement tous les éléments de l'explication, de la justification de la mise à mort. Et donc, voilà, le discours, quelque part, est ce qui reste d'un ritualisme qui désormais est devenu implicite. Voilà. Ça, c'est un des aspects sur lesquels je me suis penché, mais c'était, comme on le voit, un travail sur la littérature. Après, je viens de le mélanger avec des exemples ethnographiques, mais au départ, je n'avais pas fait d'ethnographie. Et après, je me suis lancé aussi dans l'étude toujours de type historique, pour ainsi dire, mais avec un support ethnographique. La question était de savoir qu'est-ce que c'est que la chasse dans la tête de ces gens-là des Alpes, tout simplement. Parce que, bon, allons voir qu'est-ce que cela signifie pour eux. Alors, bien sûr, on connaissait tout le discours, encore une fois, officiel des revues italiennes, qui sont un peu l'équivalent des revues françaises, il Cacciatore Italiano, qui est l'équivalent du chasseur français, peut-être avec
une ouverture un peu, enfin, sont un peu différents, mais il y a, c'est à peu près la même chose, donc qui ont quand même contribué énormément. Il faut toujours se souvenir que ces journaux-là, qui ont circulé bien au-delà du réseau des chasseurs, le chasseur français est élu comme familia cristiana, la famille chrétienne en Italie, par des millions de personnes, donc ils ont structuré la manière de se représenter, de décrire le rapport à l'animal. Et donc, ils sont des grands formateurs. Ils ont formaté l'imaginaire collectif, on peut dire, des Français et des Italiens. Bon, mis à part ces revues, il aurait été intéressant de voir qu'est-ce que cela pouvait signifier de pratiquer la chasse dans des coins perdus des Alpes, non pas chez les nobles poètes du XIXe siècle, mais bien chez les paysans, les pratiquants de l'époque. Alors, sur les paysans et pas paysans, il y aurait un énorme discours à faire parce qu'on a toujours pensé que les grands chasseurs étaient les paysans, ce qui est historiquement plutôt faux. Mais enfin, là, peut-être on peut revenir sur cette question par la suite. Donc voilà, je me suis mis à faire des entretiens aux chasseurs à la fois des Alpes orientales et occidentales piémontaises. C'était une communauté de chasseurs vaudois. Disons que lorsque j'ai commencé à comprendre le vaudois, je pus me redéplacer en Vénétie en comprenant davantage dans une optique comparative des choses. Et plus tard, j'ai fait aussi une ethnographie, mais là j'étais déjà passé en France, des Corses, de la société corse. Et donc avec la chaîne alpine d'un côté et la montagne corse de l'autre, j'ai pu aussi avoir une vision un peu plus générique, plus globale des chasses, de la logique de la chasse, disons, dans la Méditerranée septentrionale. Alors, j'ai nourri ces entretiens aussi avec des histoires, des études d'histoire économique. Enfin, c'est un mot un peu ambitieux, mais je cherchais à voir quelle pouvait être la place de la chasse dans la vie rurale et économique pour comprendre si c'était quelque chose qui pouvait apporter des ressources alimentaires véritables ou si c'était un loisir, etc. Et donc, voilà, c'était l'idée qu'on ne peut pas étudier la chasse si on ne la replace pas dans le cadre, disons, historique et culturel de l'époque, avec des conflits aussi politiques, naturellement, entre les propriétaires terriens d'un côté et les gens qui habitaient dans les communautés alpines, qui avaient aussi leur indépendance, etc., avec des logiques de chasse différentes. Et alors, à partir de ça, disons que le résultat principal de cette enquête, ça a été que la chasse n'était pas si importante que ça, à mon sens, et que tous ces gens-là, je parle des ruraux, étaient essentiellement habités par une culture qui était celle de la civilisation paysanne. Et donc, ils donnaient la priorité aux domestiques sur le sauvage. Le sauvage n'était pas un bien. Et d'ailleurs, dans le droit latin, le gibier est qualifié de res nullius. Ça veut dire que c'est une chose qui n'appartient à personne. Il y a ce qu'on appelle le droit d'occupation, d'occupatio. Devient propriétaire celui qui arrive à s'emparer, mais s'il en a envie, à la limite. Donc, ça nous parle déjà du statut de ces animaux-là. Qu'est-ce qu'ils sont, ces animaux sauvages-là? Ce sont essentiellement de la vermine. Sont des nuisibles. Et d'ailleurs, c'était intéressant de voir, même dans les lettres qui étaient envoyées par les particuliers aux journaux de l'époque, c'est intéressant de voir comment des propriétaires terriens, des gens qui savaient écrire, se plaignaient du fait. Mais ils disaient, mais comment ici, dans les Alpes, on ne peut pas faire circuler les chèvres? Et alors que, parce qu'elles rongent les écorces des arbres. Et alors qu'on ne peut pas éliminer les chamois qui font encore pire. Et donc, on s'aperçoit que dans la manière de penser le gibier était pensé d'abord comme un antagoniste du bétail. Donc, c'était ça la chose. Et donc, moi, j'aurais tendance à résumer la logique cynégétique de ces populations alpines
en disant que c'était vraiment comme on peut faire pour la cueillette, c'est-à-dire si ces animaux sont là, on les ramasse, mâles, femelles, petits, on s'en fiche complètement, on les ramasse et on les partage parfois. S'ils ne sont pas là, ce n'est pas grave parce qu'ils sont des antagonistes du bétail. J'aurais tendance, pour reprendre cette question de la catégorie du sauvage, à l'opposer justement, opposer les valeurs, disons, du monde sauvage aux valeurs justement du monde rural. Et donc, je reste encore un peu sur ces exemples, mais je me déplace en Corse, parce que la Corse va nous permettre aussi de mieux comprendre ce genre de choses, en raison peut-être, je le dis, je ne suis pas sûr si c'est légitime, mais en raison aussi d'un certain archaïsme de la Corse. Enfin, ça fait c'est un peu ridicule pour un anthropologue de parler d'archaïsme, mais peut-être que les formes qu'on retrouve en Corse aujourd'hui, qui sont en train de disparaître d'ailleurs à grande vitesse, mais qui étaient aussi caractéristiques d'autres parties de l'Europe méditerranéenne. Et il y a cette idée, justement, que je le répète, que le gibier est un antagoniste du bétail. Et donc, voilà, en Corse, il y a naturellement le pâturage des sangliers. Les sangliers sont un antagoniste des cochons, parce que les porcs, justement, sont des porcs qui vivent en pâture. Et donc, il y a des châtaigneraies, des glands, et les deux choses sont incompatibles. Donc, on comprend que cet animal puisse être considéré comme, encore une fois, un nuisible avant tout. Mais ça vaut, après, si on voit les revues de l'époque, on s'aperçoit que, de temps en temps, les paysans commencent à demander « Oui, mais il y a les olives, il y a les grives qui arrivent et qui nous bouffent les olives. » Et après, et les lièvres, lorsqu'il y a le raisin tout bas, et ils détruisent le... Et après, et les pigeons ramiers qui arrivent à l'époque. Donc, en réalité, tout animal sauvage est considéré tout simplement comme quelque chose qui n'est pas à sa place ou qu'il faut réduire. Donc, mais ceci explique, à mon sens, des logiques. On a souvent accusé les populations méditerranéennes d'avoir un sentiment d'hostilité vis-à-vis de la nature. En réalité, ils ont fait un choix technique. Le choix technique est celui, justement, d'être des éleveurs et des agriculteurs. Et donc, les animaux sauvages sont pensés comme des choses qui sont imaginées en dehors du monde du travail, de l'activité courante. Et donc, voilà, et ça nous permet de penser à qu'est-ce que c'est donc que le sauvage dans les représentations de l'Europe méditerranéenne, je veux dire rurale. Il y a une certaine ambivalence. Qu'est-ce qu'on fait de ce sauvage-là? D'un côté, donc, c'est considéré comme ce lieu menaçant, parce que la nature sauvage est cette entité qui est toujours en train de nous empêcher de faire notre travail. Et justement, c'est la vermine qui fait irruption dans les champs, etc. Donc, on est toujours en train de se défendre. Et on voit très bien, il y a des descriptions des auteurs latins et après au Moyen Âge, la fierté de celui qui vit de l'agriculture, qui dit « je ne dépends plus des fruits aléatoires de la chasse et de la cueillette ». Donc, ça, c'est important pour dire ils ne sont pas irrationnels. Ce n'est pas une population qui méprise les animaux et les plantes, c'est qu'ils préfèrent les plantes domestiques et les animaux domestiques. Donc, ça explique tout. Et il faut savoir aussi que, évidemment, dans cette stigmatisation de la forêt, on peut dire comme ça, il y a le rôle important qu'a joué l'Église, et aussi dans la stigmatisation des animaux sauvages. Là, je ne rentre pas trop dans ces détails, parce que sinon, ça nous amènerait très loin. En même temps, ce monde sauvage, donc voilà, le monde sauvage est celui dans lequel je peux me permettre le luxe de tuer un animal sans devoir rendre compte à personne, parce que c'est un monde en dehors du monde économique. Et donc, c'est intéressant de voir comment donc, cette catégorie du sauvage et du domestique n'est pas qu'une distinction savante, raffinée, de philosophes occidentaux, mais c'est quelque chose qui est présent aussi dans les catégories indigènes.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans la nature sauvage? La nature sauvage est pensée comme un... en Italie, ils parlent de antimondo, un pré-monde aussi, le monde d'avant l'irruption du travail démiurgique de l'homme, qui, de l'agriculteur. Donc, c'est un lieu où on peut se comporter comme si on n'était pas censé respecter les règles qui sont celles en vigueur dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Donc, c'est un espace festif. C'est un espace de loisir où, finalement, je peux me défouler, détruire des espèces. Je dis ça de façon provocatrice, évidemment, mais on comprend donc toute une série de pratiques qui seraient autrement incompréhensibles et qui nous pousseraient à voir dans le chasseur rural un irresponsable. Ce n'est pas un irresponsable, c'est quelqu'un qui désigne l'altérité des espèces sauvages par son action. À la limite, l'action du chasseur rural est celle de repousser les animaux sauvages dans leur altérité. Et donc, on pourrait presque dire que c'est le garant de la frontière entre le monde domestique et le monde sauvage. Et ça, dans ce sens-là, il y a quelque chose de... Mais là, peut-être il faudrait attendre un peu avant d'en parler, mais effectivement... Tout a changé par rapport à ça. Parce que dans la société contemporaine, les animaux sauvages ne sont plus considérés justement comme quelque chose qu'il faut repousser, mais comme quelque chose qu'il faut protéger. Mais alors, est-ce qu'on peut encore les considérer des animaux sauvages? Paradoxalement, la fascination de la société contemporaine pour les fauves implique leur disparition. Non leur disparition physique, parce qu'elles se multiplient, on le voit, mais leur disparition en tant que fauves. Parce que ces animaux ne sont plus le loup, l'ours, le cerf qui arrive et piétine un champ de blé, mais sont des animaux qui ont changé complètement leur statut. Ils sont de plus en plus bichonnés, justement contrôlés, ils sont des vedettes cinématographiques. Il y a des vedettes touristiques. Et donc, bon, ils existent, mais dans un monde qui a perdu complètement cette frontière. Voilà, j'insiste sur ce paradoxe. Le chasseur, quelque part, était là avec son action pour montrer qu'il y avait deux mondes. Mais s'il y avait deux mondes séparés, c'est parce que le statut de ces deux mondes n'était pas le même. Donc, dans ce monde... autre, on peut faire ce qu'on peut faire. Comme dans la fête, c'était un monde de fête, c'était un monde de transgression, c'était un lieu transgressif. D'ailleurs, on a fait un petit bouquin collectif où je finissais de façon absolument paradoxale par une apologie du braconnage, en disant « vive le braconnage », mais ce n'est pas pour dire « allez braconner », mais c'est pour dire que le braconnage était la seule manière pour garder le statut autre du gibier. À partir du moment où le gibier devient un bien qui est considéré comme, est patrimonialisé, comme on dit aujourd'hui, l'équivalent qu'un troupeau d'animaux domestiques, quoi. Donc, c'est, dans ce sens-là, il n'y a plus cette frontière. Et autour de ça, peut-être on peut continuer un peu, si vous voulez... par rapport justement à la question de qu'est-ce qu'ils sont devenus ces animaux aujourd'hui, par exemple. Je sais pas. Alors, justement, l'idée de cette utopie du sauvage, utopie de la nature, justement, on la retrouve déjà, encore une fois, du côté paysan. Je reste un instant là avant de glisser vers les autres utopistes, pour ainsi dire. Mais disons que ce n'était pas, dans le monde rural, non plus une dimension réaliste, celle du rapport à ces animaux. Justement, il y avait toute une charge symbolique qui était celle de la constitution, de la création, comme je viens justement de le dire, d'un au-delà, d'un autre monde. Donc c'était le fait de profiter de cette niche, enfin, qui a échappé au processus de domestication,
la forêt, les friches, etc., pour en faire une sorte d'espace projectif, hein, un espace projectif dans lequel on peut jouer et théâtraliser ce que l'on veut. Alors justement, au niveau, disons, populaire, peut-être vernaculaire, on théâtralisait probablement cette idée justement du retour aux origines, et donc le plaisir de recréer de temps en temps la bande, la société secrète, les garçons qui se retrouvent dans la forêt pour faire des choses qui ont trait aussi quand même à la mort, à la mise à mort et à la violence, de toute façon, qui aiment bien se connoter du côté du sauvage, et on le voit très bien dans les choix alimentaire. Et ça, l'ethnographie est très intéressante. Dans les Alpes, justement, piémontaises, oui, j'ai vu qu'ils se réunissaient, par exemple, pour manger quoi ? Pour manger du renard. Le renard, animal à la limite du comestible, mais qui permettait justement de jouer à cet animal extérieur encore plus à la dimension économique, proprement dite. On peut faire ce qu'on veut de ce puant. Et donc, voilà qu'on se réunit pour jouer à ceux qui sont capables de manger du renard et qui reviennent donc à des mœurs près d'avant la civilisation. Et c'est intéressant de voir qu'aussi au niveau de l'alimentation, des parties du corps du gibier noble, il y a cette même idée de conserver toute la partie la plus sanglante, celle qui est liée justement à la sauvagerie, pour la manger en cachette entre chasseurs et faire en sorte que le reste soit destiné à la famille. Donc, encore une fois, pour dire que derrière des raisons d'ordre matériel et économique, il y a des raisons symboliques, dans le sens qu'on voit qu'on aime bien garder la sauvagerie du monde, on aime bien qu'une partie du monde soit décrété, défini comme sauvage, et après, parce que finalement, là-dedans, on a un espace utopique pour placer toute une série de représentations. Alors, ces représentations étaient relativement structurées et contraignantes dans les sociétés traditionnelles, parce que, tant bien que mal, il y avait un mode de production, des conditions économiques extrêmement précises qui ont formaté les comportements. À partir du moment où ces acteurs sociaux-là ont disparu, et donc avec la fin de la civilisation rurale, la nature sauvage, soi-disant, enfin, est devenue un espace qui accepte n'importe quel type de représentation. Et donc là, on assiste dans un scénario post-moderne à la prolifération des définitions de ce qui est sauvage et de ce qui ne l'est pas, et de rêverie autour du retour à l'état de sauvagerie, de retour à l'état de nature, et comme ça. Et donc, enfin, ça ressemble, parce que le jeu, au fond, est celui de simuler un moment qui est représenté souvent comme un moment de vérité, qui est plus vrai, plus authentique que la vie de tous les jours, où on retrouve finalement l'authenticité des personnes dans cette nature qui n'a pas encore trouvé un législateur, hein. Et là-dedans, voilà, on s'identifie aux fauves. Et c'est peut-être ça qu'on pourrait aborder maintenant, les différentes manières de penser le fauve dans la société contemporaine. Le retour des prédateurs va de pair justement avec la métamorphose de la nature sauvage qui passe donc du statut de désert, comme on l'appelait au Moyen-Âge, au statut de wilderness. Et ces animaux, sur un plan général, passent du statut de vermine au statut d'animal protégé. Et c'est intéressant de voir comment justement la possibilité qu'on est en train d'évoquer de projeter sur les animaux n'importe quoi est liée à cette sorte, comment dire, de désertification symbolique de la nature. Et donc, là-dedans, on peut projeter justement les choses les plus invraisemblables. Et alors, moi, j'aurais tendance... Les grands prédateurs, effectivement, se prêtent particulièrement bien pour ce genre de projection.
je pourrais faire un exemple concernant justement la pluralité des identifications possibles, en disant que d'un côté, on retrouve des tendances qui sont celles de ceux qui cherchent à rêver à un état de nature où quand même les caractéristiques principales des prédateurs sont extrêmement édulcorées. Et donc, on cherche chez ces animaux à retrouver les aspects qui sont ceux de leur sociabilité et toute une série de vertus. Et donc, c'est une falsification de l'éthologie, mais qui arrange beaucoup de monde parce que ça permet d'exprimer quand même des contenus positifs sur la diversité, sur la vie en communauté, etc. Et donc, dans cette perspective, on peut interpréter, par exemple, l'énorme succès du bouquin de Clarissa Pinkola Estes qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups ». C'est un texte qui a vendu 2 millions d'exemplaires pour des raisons qui sont liées à la qualité de la narratrice, qui est notamment une psychanalyste, mais aussi qui a des dotes, des qualités réelles d'écrivain, mais aussi au fait que cet imaginaire correspond parfaitement à ce que les gens veulent entendre, enfin certains gens. Et c'est intéressant de voir donc, voilà comment ces animaux, ces prédateurs peuvent donc représenter un désir de liberté et toute une autre série de qualités, je le répète. Et donc on arrive à dire que le loup a été maltraité tout au long de son histoire par une humanité qui n'était pas capable justement d'apprécier sa valeur. Et les femmes, c'est la même histoire. Donc on voit qu'il y a le mouvement Wicca, par exemple, qui joue sur l'identification de la femme avec la sorcière et de la sorcière avec le loup. Et donc on voit que là, par exemple, il y a une grande adhésion de la part d'un certain public autour de cet imaginaire. Et donc, il y a des connotations religieuses, souvent, qui sont liées justement au retour du néopaganisme, tout simplement. Voilà. Ces mouvements peuvent être insérés dans la mouvance néopaïenne, mais il y en a d'autres. Par exemple, dans les Alpes italiennes, il y a le mouvement odiniste. Alors ça, c'est quelque chose de un peu caricatural. Je ne voudrais pas que les odinistes m'entendent, mais dans le sens que, voilà, ce sont des gens qui vivent dans la région du nord de l'Italie, qui sont persuadés d'être les héritiers des anciens guerriers qu'on appelait les berserkir, qu'on retrouve dans les sagas scandinaves. Ce seraient des guerriers qui revêtaient la peau d'un ours, d'un sanglier ou d'un loup et qui retrouvaient leur vraie identité, lupine, justement, oursine, et donc qui étaient habités par une forme de fureur, la fureur du guerrier. Et donc, voilà, il y a une apologie, si vous voulez, de la violence. Il faut reconnaître que ces identifications, en revanche, ont aussi des connotations politiques assez explicites. Donc, du loup, dans ce cas-là, de l'ours, on ne sélectionne pas l'humanité, la sociabilité, etc., mais plutôt toute une série de caractéristiques qui sont celles, le loup est implacable. Il y a ce qu'on adore, d'ailleurs, dans ces animaux, et le fait... dans ce cas-là, qu'il y a une hiérarchie très précise. Donc, c'est une société qui est pensée comme une société presque de caste, hein, avec de toute façon très élitiste. Et donc, voilà, ça corrobore, ça nourrit un imaginaire qui peut souvent être un imaginaire d'extrême droite, voilà, qui se réclame de la figure de ces grands prédateurs. Et après, une autre identification qui va à peu près dans ce sens-là est celle justement du lien entre la figure de ces animaux sauvages et la force du prince, la force de l'aristocratie. Il suffit de penser aux blasons. Les blasons, il y a des études importantes qui ont été faites par les historiens. Les blasons incarnent souvent ces représentations de la force, de la brutalité, l'ours, le lion, le loup, etc. Et donc, se réclamer du loup aujourd'hui ou de l'ours peut signifier aussi qu'on veut faire comprendre qu'on appartient aux élites de la nation, qu'on a une légitimité toute particulière.
Et ce qui explique peut-être aussi le regain d'intérêt pour toute une série d'objets, comment dire, je pourrais parler par exemple du regain d'intérêt pour les trophées. S'entourer des trophées est devenu quelque chose de très branché. Pourquoi? Parce qu'on considère que tout ce qui a trait au sauvage est porteur d'une certaine force, d'une certaine force originaire. Mais c'est vrai que dans les représentations anciennes, médiévales, du rapport avec la forêt et le monde sauvage, celui qui avait le droit, qui avait une familiarité particulière avec ce monde, était justement le roi. Donc il y a cette idée que si on aime la nature sauvage, même dans ses manifestations les plus brutales, c'est parce qu'on on fait partie de cette grande famille-là, d'un certain point de vue. Donc voilà, il y aurait quelque chose qui est de l'ordre de la... Je ne sais pas comment dire, mais enfin, voilà, c'est une autre forme d'identification assez, assez courante. Moi, je pense que on assiste aujourd'hui à une perte de repères, effectivement, des anciennes catégories. Et il se peut, effectivement, qu'il s'agisse tout simplement maintenant d'un moment de reformulation, de quelque chose qui va se structurer par la suite. Mais, effectivement, la donnée actuelle, d'après moi, est notamment... celle de cet égarement collectif, qui est particulièrement visible justement dans les populations qui sont en direct contact pour les rares, disons, ruraux encore présents dans les territoires français et italiens, pour mes exemples ethnographiques. Alors, je vais vous raconter une histoire pour expliquer le niveau qui peut être atteint par cet égarement, quelque chose qui m'a plutôt choqué, je dois dire. J'avais été invité dans le sud de la France, dans un centre d'études du pastoralisme. C'est dans les Alpes, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et il y avait une fête, c'était la fête du Tardon, c'était la fête de moutons qui sont amenés un peu tard. Et donc, il y avait... C'était une fête traditionnelle, enfin, tout simplement. Et dans la salle où on parlait du retour des loups, il y avait tous les bergers du coin et les éleveurs. Enfin, c'était assez riche. Et j'avais à mon côté une anthropologue, de l'autre côté un spécialiste des loups et après le médiateur qui était de formation ethnologique. Donc on a commencé à décrire justement l'irruption des loups quand même dans cette région et avec beaucoup d'inquiétude parce qu'effectivement il semblerait que les loups ont augmenté de façon extrêmement considérable. Et ils avaient commencé par montrer un petit film où on voyait que les bergers actuellement ont désormais besoin d'une cellule d'aide psychologique face à ces phénomènes de ces carnages produits par les loups. Ce que moi j'avais trouvé en tant qu'ethnologue, enfin, compréhensible, mais un peu comme déjà le signe de quelque chose de complètement nouveau et presque un peu, je dirais pas ridicule parce que ça fait pas rire, mais... L'idée de ce berger, normalement fier comme ça, qui a besoin d'une maman, je plaisante, mais de toute façon, je n'ai pas laissé émerger ce sentiment. J'ai plutôt dit que c'était la preuve, justement, qu'on n'est pas confronté seulement à des gens qui ont du bétail pour faire de l'argent, mais qu'il y a un attachement affectif réel avec les brebis. Voilà. J'ai commencé à parler de ça et j'ai continué en décrivant les raisons pour lesquelles il y a ce charme, pourquoi on aime bien le retour de ces animaux, donc les raisons que nous venons d'évoquer. Et je parlais justement des berserkirs, de cette idée de fantasmer autour du fait qu'on est aussi des grands guerriers, comme ça. Et à un moment donné, il y a eu dans la salle un éleveur qui m'a dit de me taire. Il m'a dit « Taisez-vous, sinon je sors ». Alors, j'ai eu le sentiment d'être confronté à quelqu'un qui je sais pas, n'avait pas compris, un peu insolite. Et juste après, il y a eu... la salle a applaudi.
Pour moi, ça a été une expérience brutale, traumatisante. Et d'autant plus que ma collègue ethnologue n'a pas voulu me défendre, mais c'est parce que peut-être elle était avec ses informateurs. L'autre personne non plus, parce qu'elle aussi, elle était financée quand même par les... Enfin, c'est intéressant de voir. J'en parle parce qu'il y a un réseau. Il y a un réseau d'intérêts implicites ou explicites autour de ces animaux. Le spécialiste des loups a cherché à me défendre comme ça. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, je suis confronté à des gens qui ne veulent pas entendre quelqu'un. Pourquoi? Parce que probablement, ils ont pensé que j'étais là pour parler en faveur des loups, ce qui était faux en plus. Heureusement, à la fin, il y a eu une bergère, comme dans les fables, qui est arrivée et qui m'a consolé et qui a dit « Mais non, c'est honteux, laissez-le parler comme ça ». Donc ça s'est bien terminé, si vous voulez, d'un certain point de vue. Mais ceci pour dire à quel point l'arrivée de ces loups dans un monde qui avait réussi tant bien que mal à le faire disparaître, est en train de poser du désordre. Mais il se peut que ce soit justement un désordre momentané et qui attend justement le fait de repenser les catégories, de repenser les rapports, etc. Mais justement, quoi qu'il en soit, ce qui inquiète les gens avec qui on a pu avoir des contacts et même ceux qui interviennent dans les médias, je veux dire, est le fait que ces animaux-là, justement, n'ont plus un statut. Ce n'est pas tellement qu'ils sont des animaux sauvages, mais c'est qu'ils ne sont plus ni une chose ni l'autre. Et donc, on voit émerger toute une série de rumeurs, par exemple, à 30, on nous dit, oui, mais les loups et les ours ne sont plus comme les ours d'autrefois. Là, il y en a qui rôdent autour de cimetières. Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a d'autres qui rentrent dans les chalets, et ils ont pris des habitudes bizarres. Et après, on lit la presse, il y a des sangliers qui mangent des spaghettis à Gênes, comme ça. Et donc, on a le sentiment que ces animaux-là sont devenus des hybrides. Des hybrides. Donc, c'est le manque d'un statut ontologique précis qui les rend des animaux particulièrement inquiétants. Voilà. Et ça, c'est justement parce que cette distinction entre le domestique et le sauvage, probablement, est en train de s'estomper. Et donc, et parce que donc même les animaux domestiques, sauvages, désormais, sont de plus en plus apparentés à la catégorie de l'animal domestique. Mais alors, je commence par la réhabilitation du sauvage dans la réalité d'aujourd'hui. Nous en avons déjà parlé, mais peut-être j'insisterai encore un peu sur le fait qu'on a dédouané, par exemple, l'alimentation à base de gibier. Pendant très longtemps, dans une vision écologiquement correcte, pour ainsi dire, on a eu tendance à refuser de manger le gibier, et on s'aperçoit que maintenant, le gibier redevient à la mode. On a le droit de manger du gibier pour des raisons différentes, y compris celles qui sont liées à l'idée que c'est du gibier de qualité, c'est de la viande de qualité, c'est de la viande bio, ce qui parfois est plutôt de l'ordre de la rêverie. Mais il y a des statistiques qui montrent que la consommation de gibier en France a augmenté du 50% en quelques années, et qu'il y a en Suisse, on mange du gibier dans les cantines. Donc, au Canada, c'est assez fréquent aussi. On s'aperçoit que, il n'y a plus cette diabolisation de ce geste de se nourrir de gibier. Et en même temps, on voit qu'on réintroduit dans les maisons les trophées. Ça aussi, c'est un phénomène assez curieux, parce qu'on avait honte de montrer ça il y a encore peu de temps, et voilà que tout à coup, les gens récupèrent des trophées qu'ils avaient dans leur grenier et qui tenaient cachés, parce que c'est de plus en plus chic d'en disposer. Alors pourquoi? Je pense aussi parce que c'est lié à cette aura, à ce pouvoir, cette sorte de mana qui se dégage justement des objets qui ont trait à la nature sauvage. Avec aussi, sur le fond, cette idée du cabinet de curiosité. On joue un peu sur l'exotique, un peu sur le charme des chasses d'autrefois. Donc il y a aussi, même si on sait que la chasse est en train de perdre de vitesse, d'un autre point de vue, on pourrait dire qu'on assiste aussi à une certaine réhabilitation de la figure du chasseur dans certaines limites.
On voit qu'il y a une augmentation des femmes qui vont à la chasse, par exemple. La ligne de descente du nombre de chasseurs a tendance à se stabiliser un petit peu. Et il semblerait que même le mouvement d'opposition de la chasse a changé de nom. Et il semblerait que les positions sont plus proches d'une certaine tolérance, d'une certaine conciliation. Et après, on voit que dans des revues impensables, comme par exemple de journaux comme Le Monde Magazine, on peut faire un reportage sur la chasse en Écosse, en parlant de l'art de la chasse, ce qui, il y a 15 ans ou 20 ans, aurait été considéré comme absolument politiquement incorrect. Donc, dans ce sens-là, on s'aperçoit qu'il y a comme, en raison de ce regain d'intérêt pour le sauvage, ce monde qui était quand même un monde de gens qui étaient dans un rapport historique avec le sauvage, trouve une partie, en partie, je ne dirais pas une réhabilitation, parce que ce serait exagéré, mais il y a des niches, il y a des tendances fortes, à mon sens, qui vont dans ce sens-là. Et on voit aussi que, ça vaut aussi pour les fourrures, il y a 15 ans, Naomi Campbell se dénudait pour militer contre la fourrure. C'est plus à la mode. Elle-même, maintenant, se représente avec des formidables fourrures authentiques. Donc, on s'aperçoit qu'il y a tout un mouvement de regain d'intérêt pour tout ce qui est de l'ordre du sauvage, et donc aussi, et en particulier, pour, je le répète, pour l'alimentation sauvage, qui ne concerne pas que le gibier, elle concerne la cueillette. La cueillette aussi est un phénomène d'actualité. Il y a 5 ans, parce que ce sont les dernières statistiques que j'ai regardées, en Italie, il y a 45 morts pour ramassage de champignons, pas pour en avoir mangé, simplement parce qu'ils ont... Donc, c'est devenu une sorte de fièvre. Alors que le chasseur disait, et nous, en revanche, on peut dire qu'il n'y a eu que 22 morts. Alors, je ne suis pas en train de faire la propagande pour les chasseurs, mais c'est pour évoquer un peu une controverse. Et donc, on voit la multiplication de ces utilisations de la nature, enfin, donc, qui sont là pour les raisons les plus disparates. Et évidemment, on sait très bien, mais les sociologues travaillent sur ça depuis au moins 30 ans, 40 ans. Il y a... Cette incompatibilité, cette difficulté de concilier les différents intérêts autour justement de ces espaces résiduels, de ces espaces sauvages. Donc voilà, là on a parlé de la réhabilitation alimentaire. En même temps, il y a aussi, dans le même mouvement, une réhabilitation de tous ces personnages qui avaient été stigmatisés en raison de leur proximité avec l'état de nature, c'est-à-dire les braconniers, ceux qui ont toujours vivoté, vécu de ces ressources qui avaient été justement délaissées par les agriculteurs. Voilà. Il y a toujours dans toutes les sociétés, il y a des niches dans les villages dans lesquelles, puisqu'on est agriculteur, on ne va pas vivre des ressources marginales de toutes sortes, les escargots, les grenouilles, tout ce qu'on laisse aux immigrés, aux pauvres, etc. Et donc, il y a cette figure, qui est une figure que l'on retrouve justement dans la littérature, qui est celle de ce homme à la frontière entre l'état de culture et le braconnier, comme on peut retrouver dans la littérature française, personnages comme Rabolio, animé par un instinct sauvage. D'ailleurs, je veux dire, il y a des précédents savants. Il suffit de penser à la figure, sans évoquer Thoreau et compagnie, mais à la figure tout simplement du chien du roman de Jack London qui s'appelle L'appel du sauvage, justement. On voit très bien que ce chien-là, c'est l'histoire du désir de l'homme occidental de quitter l'état de civilisation, avec comme ces deux petits chiens-là que le chien quitte parce qu'ils sont des caniches pantouflards comme ça, gâtés, pour retrouver cette force, cette vérité originaire qu'il retrouvera en redevenant quoi ? En redevenant un loup, d'ailleurs. Et donc, on voit très bien qu'à la fin du 19e siècle, il y a déjà des romanciers, c'est lui, c'est Lawrence aussi, enfin, qui montre cette nécessité de revenir à l'état de nature. Et donc, cette fascination pour ces trappeurs, ces personnages
qui, je le répète, sont déjà présents dans la littérature, mais que l'on retrouve dans la réalité de l'ethnographie. Parce que chacun des ethnographes qui ont travaillé dans ce village sait qu'il y a le type du coin qui est celui qui est considéré comme celui qui arrive, qui a fait vivre son fils. Il en a eu ce qui rarissime à l'université en pêchant des truites dans le fleuve, etc. Et ce sont des marginaux qui, un peu comme les guides alpins, le skipper, etc., sont des personnes qui sont capables de faire un bond sociologique formidable. En raison de quoi? Du fait qu'ils partagent avec l'aristocratie, avec les élites, la même passion pour la nature sauvage. Donc ça, c'est un topos que l'on retrouve beaucoup, je le répète, aussi bien dans la littérature que dans les représentations courantes, comme ça, des gens qui ont leur copain aubergiste, qui connaît le braconnier, qui, enfin bon, c'est quelque chose de très fréquent, voilà, très courant. Donc, réhabilitation de cet homme qui est à la frontière entre l'humanité et parfois l'animalité. Et ça nous amène à l'autre réhabilitation qui va dans la même direction. Et c'est bien la réhabilitation à une échelle plus large qu'on peut constater concernant le chasseur-cueilleur. Alors là, je sais que je dis quelque chose qui peut être mal pris par les grands spécialistes en la matière, mais je suis persuadé que autour du chasseur-cueilleur, il y a des résidus de l'utopie qui a caractérisé la pensée des Lumières. Et donc, on se retrouve encore aujourd'hui à projeter des valeurs occidentales, parfois, sur les derniers représentants du monde de la chasse et de la cueillette. Je dis ça et je suis en train de travailler justement autour de cette problématique parce que, je parlais au départ de cette histoire, de ces rituels qu'on appelle le rituel de la comédie de l'innocence, qui ont été justement étudiés par Moily, par Burkert, par aussi les spécialistes de la Grèce ancienne. Enfin, c'est un phénomène bien connu. Ces rituels sont interprétés très souvent comme la preuve d'un sentiment un désir de communiquer avec l'animal, et donc comme la preuve d'une sorte d'écologisme avant la lettre qui serait présent dans le comportement des chasseurs-cueilleurs qui prélèvent donc la partie, enfin il y a toujours cette idée qu'il y a des sanctions venant du maître des animaux et donc, ou de figures analogues, enfin donc pour des raisons religieuses, rituelles et idéologiques, pour le respect vis-à-vis de l'espèce, etc. Enfin, ça varie beaucoup d'une société à l'autre, mais sauf que chez les Australiens, pour des raisons qui ont été expliquées par certains anthropologues, on retrouverait un peu partout cette nécessité de ne pas, ce sentiment qu'on n'est pas maître de la nature, qu'on dépend des ressources naturelles et que toute intervention sera sanctionnée immédiatement si on dépasse un certain seuil. Et donc voilà, d'ici l'idée qu'il y aurait comme une sorte de sagesse originaire que nous aurions perdue aujourd'hui, et donc il faudrait revenir aux chasseurs-cueilleurs. Eh bien, il y a des données ethnographiques, en revanche, et même des études importantes comme celle, je ne sais pas, de Salins, concernant justement l'économie des sociétés de chasse et cueillette, qui parlent, en revanche, du caractère absolument imprévoyant du chasseur-cueilleur. Et moi, je suis en train de collectionner les exemples montrant que dans beaucoup de sociétés de chasse-cueillette, on peut témoigner aussi, justement, on retrouve des exemples de mise à mort insouciante, parfois même cruels, et souvent des exemples, j'ai des exemples concernant le Grand Nord, par exemple, de véritables carnages, et d'ailleurs qui étaient témoignés aussi par les missionnaires qui avaient été dans ces contrées il y a 2-3 siècles. Donc, c'est un discours tellement complexe sur les raisons qui pourraient expliquer ces comportements je le dis tout juste comme ça parce que c'est une piste qui me paraît intéressante d'évoquer. Mais ce n'est pas parce qu'on a avec les animaux un rapport interlocutoire, pour ainsi dire, qu'on ne fait pas après des carnages. Voilà. Et donc, je suis persuadé que
on continue de garder une certaine idéalisation, tout simplement, de cet autre sauvage. Et donc, on fait un peu comme dans l'utopie de la nature, c'est-à-dire on se construit un espace projectif, que ce soit un dieu, que ce soit la forêt ou que ce soit l'habitant de cette forêt, pour justement mettre en avant des valeurs qui seraient un peu l'inverse des valeurs qui caractérisent en négatif la société occidentale. Voilà. Effectivement, l'ethnologue a joué un rôle de restitution de la valeur des cultures autres. Et donc, il a contribué, d'un certain point de vue, à dissoudre toute une série de stéréotypes concernant l'altérité. Et en même temps, peut-être, il a aussi contribué à en créer d'autres. Et donc, il y a une certaine ambiguïté. Et moi, avec le temps, j'ai vécu une sorte de transformation, de glissement. Je pense que ça caractérise plein d'autres ethnologues comme moi. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à faire de l'ethnologie, donc on s'était tous inspirés, je parle de l'Italie, beaucoup d'entre nous se réclamaient un peu de l'anthropologie sociologique italienne, d'auteurs comme Antonio Gramsci, par exemple, voire même du cinéma de Pasolini, c'est-à-dire des gens qui voulaient justement assurer cette médiation. Et la tâche de l'ethnologue était celle d'arriver à restituer la parole à ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de s'exprimer, les oubliés de l'histoire, etc. Donc, c'était ce désir. On avait d'autres auteurs importants, comme Nuto Revelli en Italie, qui ont travaillé sur la mémoire des vaincus, comme c'était le cas aussi pour des auteurs français. Et donc, bon, il y avait cet engagement important. On avait découvert le charme des cultures autres, des cultures populaires qui n'étaient pas du folklore. Et il faut savoir qu'en Italie, le folklore n'a pas la mauvaise réputation qu'il a un peu eu en France. Et donc, avec une idée d'engagement. Donc voilà, l'anthropologue comme traducteur, comme celui qui arrive à découvrir la beauté, la singularité de ces expériences de gens qui vivaient dans le mezzogiorno italien le plus profond et caché, dans les Alpes, comme ça. Donc, c'était cette découverte, d'ailleurs, que l'on retrouve aussi dans ce roman célèbre qui s'appelle justement « Le Christ s'est arrêté à Eboli » de Lévy, qui raconte l'histoire de ce médecin qui est confiné, envoyé aux confins dans l'arrière-pays, disons, au sud de Naples, et qui découvre ce monde qui est un monde pré-chrétien. Donc, il y avait cette idée de restituer toute la dimension magique, la dimension des croyances magico-religieuses, tout ce qui était et savoir-faire, les techniques. Enfin, ça a été très beau de faire de l'ethnologie avec ce projet un peu prométhéen, hein. Voilà, on avait envie d'aider les autres, on était des sages-femmes et on était là pour aider les autres à mettre en valeur ce qu'on avait, on risquait d'oublier. Et en même temps, avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas si neutre que ça le travail de l'ethnologue, qu'il y avait quand même souvent un malentendu du paternalisme, souvent, que le rapport avec l'autre était nourri par une certaine ambiguïté, dans le sens qu'il y a un malentendu sur les raisons pour lesquelles on mène des enquêtes. Donc, j'ai mené une réflexion, mais là, on ne peut pas la développer en quelques mots, mais en imaginant l'existence d'au moins deux grandes tendances chez les ethnologues. D'un côté, ceux qui cherchent à coller de façon herméneutique au point de vue de l'autre et à restituer son histoire en cherchant à être le plus honnête et possible par rapport aux intentions de l'informateur, pour ainsi l'appeler, et une autre mouvance qui est celle de ceux qui sont là pour découvrir des choses qui peut-être échappent à la conscience de l'acteur social.
et donc qui travaille dans une perspective qui est peut-être plus proche aussi d'une certaine sociologie durkheimienne, mais aussi d'un certain objectivisme que l'on retrouve aussi, d'ailleurs, ne serait-ce que dans la tentative aussi structuraliste, tout simplement, de retrouver un langage sous-jacent dont les règles échappent à la conscience des acteurs sociaux. Voilà. Lorsqu'on se met dans cette position, et pour moi c'était aussi un travail sur la violence, sur les conflits, sur les non-dits comme ça, on se aperçoit qu'on est un peu un traître. En sens que moi, je vais chez les gens, je leur pose des questions, et après, ce que je vais dire, ils vont trouver que ça ne correspond pas du tout à ce qu'eux voulaient me dire. Et donc, avec le temps, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'un peu sale, pour être franc, dans le travail de l'ethnologue, même si, bon, c'est de ma faute, je veux dire, mais voilà, et pourquoi ? Parce que, voilà, peut-être pour plaire à certains acteurs sociaux, à certains informateurs, j'aurais dû jouer le jeu, par exemple, du bon sauvage, parce qu'eux aussi, ils aiment bien se mettre en représentation comme le vieux, comment dire, les vieux représentants d'anciennes traditions. Mais lorsque j'ai travaillé dans les Alpes, cette idée du chasseur, comme il se présentait, le chasseur alto-vénitien, ils se sont inventés une ethnie, ils se sont inventés des traditions qui n'étaient pas locales. Ils ont toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, massacré allègrement leur gibier, mais ils avaient raison parce que c'était dans une logique différente. Et ils ont eu besoin plus tard de se réinventer ce mythe du chasseur protecteur de l'environnement. Et en Corse, c'est pareil. Je travaille avec les chasseurs corses, ils me disent « mais oui, nous, on a toujours eu un rapport idyllique avec l'environnement. On n'a jamais prélevé que ce qui était indispensable. » C'est faux. Et donc, c'est faux, mais c'est beau. Et donc, disons que, d'un côté, pour être fidèle à leur désir, j'aurais dû transmettre cette image. De l'autre, en disant, vous mentez, vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas les sources historiques, mais en réalité, les choses sont passées autrement. Évidemment, un ethnologue qui travaille à ce niveau-là ne peut pas ne pas avoir le sentiment d'être en train, quelque part, de trahir ses interlocuteurs. Voilà. Oui, et l'avenir du sauvage, j'aurais tendance à dire que l'avenir du sauvage est derrière nous. Dans le sens que, de mon point de vue, voilà, cette dimension a perdu complètement toute cette pertinence. C'est-à-dire, le sauvage continuera évidemment à remplir son rôle en tant que dimension projective, mais effectivement, cette frontière que nous avons constituée tout au long de la civilisation néolithique, finalement, et jusqu'à la fin de cette civilisation, n'a plus sa pertinence aujourd'hui. Elle est en train de s'effilocher. Et donc, et d'ailleurs, et ceci parce que les nouveaux usagers de ces espaces, effectivement, produisent ce va-et-vient qui est de plus en plus, comment dire, profond, systématique, capillaire, et qui fait en sorte qu'il n'y ait plus, même pas des temps, de temps. Autrefois, il y avait des temps pour que la nature retrouve ces espaces. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, justement, dans le folklore des Alpes, les Alpes deviennent des espaces, comment dire, civilisés, domestiqués, rachetés à la culture par le travail des humains pendant l'été, mais il suffit que les humains partent, redescendent en hiver dans la plaine pour que ces espaces soient regagnés par les instances maléfiques, le diable, etc. Maintenant, cette alternance, un peu comme ce dimorphisme saisonnier, comme le dirait Morse, entre l'hiver et l'été, entre des moments où la nature peut respirer et retrouver son espace et des moments où elle est en confrontation directe avec ses émissaires de la civilisation, n'existe plus. Il suffit de voir ce qui se passe dans les montagnes avec ces skieurs, ces randonneurs, de plus en plus ces pratiques de pénétration de la nature à toutes les saisons et dans les endroits les plus mystérieux, secrets, est devenu quelque chose d'extrêmement populaire. Donc, même sur le plan pratique, non seulement sur le plan symbolique, cette sauvagerie est en train de disparaître.
Alors, évidemment, on peut continuer à rêver, on rêve autour de ça. Et d'ailleurs, les usagers d'origine urbaine sont parfaitement à l'aise dans ces espaces soi-disant sauvages. Je reviens un instant sur les populations locales. Les gens du Trentin, par exemple, disent qu'ils vont de moins en moins se promener dans les bois parce que lorsqu'ils voient les carnages que les ours font dans leur enclos pour les cochons, etc., ils se disent ça devient un espace de plus en plus dangereux. Donc, mais c'est vrai que cet espace qui, pour les urbains, n'est pas si significatif que ça du point de vue des connaissances concrètes, ne peut être rempli de sens que par, justement, la présence de ces animaux qui font peur, qui font fantasmer. Alors, moi, je pourrais finir avec une considération autobiographique, dans le sens que moi, j'ai toujours adoré aller dans les montagnes, parce que je suis originaire d'une région alpine, mais j'aimerais bien dire préalpine, parce que j'aime bien ces montagnes préalpines parce qu'elles sont moches d'un certain point de vue. Elles sont moins belles que les Dolomites qui sont tout près. Et donc, il y a moins de gens. Enfin, c'est peut-être un discours un peu snob, mais on peut encore se perdre réellement. On peut être un peu tranquille dans ces endroits peu commercialisés pour l'instant. Mais disons que petit à petit, l'envie de me balader dans ces endroits-là j'exagère un peu, mais est en train de diminuer. Pourquoi? À cause des ours. Alors, on pourrait dire, ah oui, c'est pour la peur des ours, mais ça, évidemment pas, parce que ce serait vraiment un cas rarissime, ce serait le destin si je devais trouver un ours ou un loup, évidemment, c'est peu vraisemblable. Ce que je supporte, pas des ours, c'est que les ours impliquent l'existence de caméras pour surveiller leur passage. Et désormais, il n'y a un seul endroit dans la forêt, même la plus perdue, où je ne risque d'être filmé par des biologistes, des éthologues qui sont là pour sauver les animaux. Et donc, malheureusement, cette présence, cette manière de surveiller systématiquement la nature sauvage pour son bien-être est quelque chose qui, en même temps, modifie complètement le statut de ces espaces qui devient des espaces, je dirais, entre guillemets, militarisés. Voilà, donc peut-être il faut trouver d'autres espaces pour s'épanouir, peut-être, je ne sais pas, la jungle urbaine.